Salut bande de moules, on se retrouve sur Tomb Raider avec de nouveau notre chère Lara. Notre chère Lara, poil sous les bras. Et oui, toujours aussi poilue notre chère Lara. Et qui recherche désespérément un pilote d'avion de chasse, évidemment, qui s'est éclaté, qui s'est fait éclater par des éclairs, hein, comme une vieille merde. Parce que c'est une vieille merde. Et donc, eh bien, moi, je me retrouve là au beau milieu d'une grotte à le chercher, hein, telle une aiguille au beau milieu d'une botte de foin. Le problème, c'est que notre... C'est de l'eau. Le problème, c'est que, notre Lara, elle est un peu aveugle, hein, c'est pas pour dire. Et un peu con-con sur les bords. Alors, entre sa famille et ses amis, elle encule volontiers sa famille, hein, qui ne l'aurait pas fait. Et elle... Elle choisit d'aller sauver un illustre inconnu dont elle n'est même pas assurée qu'il est encore en vie. Hein. Donc au final, choix, nous dirons, hein, choix cruel que la vie nous impose et que nous devons forcément respecter jusqu'à un certain point. Jusqu'où nous le découvrons sans doute. Hein. Tout le monde pourront toujours admirer les paysages. Ce jeu me surprend sans arrêt. Ces ruines sont antérieures à la période Kofun. Regardez, ils sont en train de méditer, là. Ils se préparent à réaliser un... Hadouken. Voici. Cassant des pièces. Vandale. Ou plutôt Burgonde, pour être exact. Burgonde, le Val. Je suis un vilain Vandale. Burgonde, pardon. Je vais plutôt prendre... Un pèlerinage. Je vais plutôt prendre ceci. Et donc normalement j'ai fait mon petit changement. J'ai vérifié. Hein. Voilà, donc c'est bon. Donc moi j'aurais plus besoin à appuyer comme un fou furieux sur ma souris. Pour essayer. Une reine. Imiko. Oui, sans doute. Donc voilà, pour essayer de mettre ma corde. Il est mort. Ok. Capitaine Jessop ? Mort. Ah, j'ai intérêt à casser tes petites fesses. Oh, il a disparu. C'était un tour de magie. Pour une enfant, tu m'as causé beaucoup de problèmes. Mais tu es aussi naïve que prévisible. Tu es là! Bon. Oh my fucking god, there. Ça a l'air assez colossal, hein. C'est magnifique. Ah, ça va mériter un petit screen, ça aussi. Nous sommes dans un abattoir. Mais là, je dois avouer que le boucher, il s'est sûr, mais alors sur méga passé. La. Je commence à avoir l'habitude. Vous savez. Lara, elle aime bien ça. Hein. C'est une fille qui s'envoie en l'air, hein, un peu souvent. Peut-être un peu trop. Yatta. Là, je peux dire Yatta. Bon. Ah, regardez. Oh mon dieu. C'est un morceau de chair. Heureusement que je suis dans définition moyenne. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de survivants. Enfin. C'est ironique. Donc, beaucoup de personnes avant moi, mais bon, ils ont eu moins de chance. Donc là, Lara va peut-être falloir faire moins la maline. Tue les rats, tue ces salopards, salope queue de rat. Putain, mais c'est énorme ce truc. Ça fait un bruit de tracteur au milieu du Cher. Oh, c'est dégueulasse. Oh putain.
ce truc? Ne pas toucher les squelettes, sinon ça fait crac crac. Oh, oh, c'est immonde. Oh là là, immonde. Il y a un truc là-bas, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Putain, ce vent! Oh! Alors ça... Ce type de munition... Putain, ça alors, mais où est-ce qu'elle a retrouvé ces... Oh mon dieu, mais c'est dément ici. On dirait la Seconde Guerre mondiale, mais en mode flèche, quoi. Il a un shotgun dans les mains. Vas-y, hein. J'espère que ce machin marche encore. Pa pa da pa 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 da pa pa. Ils sont à ma recherche. Mon Dieu. Je peux pas essayer d'escalader parce que... On dirait des surfaces à la... On dirait des surfaces à la Uncharted. Autant dire que la petite Lara, là, est dans un fumier, sans nom. Je déteste les tombes. Oh ben là, celle-là, elle est particulière. Une reine solaire et les gardes tempêtes. Ce serait ça, ce que je viens de voir. Emiko, la première reine solaire, c'est bien le Yamatai. Là. Ah bah c'est sûr qu'elle a... Et tu es vraiment mort. Ouais bah oui, elle a dormi qu'un petit peu longtemps. Ça tombe. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des gens morts partout. C'est féerique. J'ai trouvé une tombe. Oh mais c'est génial. Mes amis ils se font stalker. Un rituel du feu. Tout va bien. Un rituel de sacrifice. Tout va bien. C'est horrible. Mais pourquoi brûlait-il des femmes comme ça? Un voyage. Un pèlerinage vers... Est-ce que c'est bien ce monastère? De l'eau qui coule? Mais pourquoi? Pourquoi l'eau qui coule? Le robinet serait-il... machiavélique? L'eau qui coule, reine. Ce n'est pas l'eau qui coule, c'est un transfert de pouvoir. C'est un rituel de l'ascension. Pour désigner la prochaine reine. Po, po, po. La voilà ! Oh non ! Tu me prends cher, tu me prends cher. Oh my god ! Tiens. Dieu merci, le flingue de folie a résisté et a montré son efficacité légendaire. Watcha, Burgund Woman, Burgund Woman. Elle vous chie dans la figure, la Burgund Woman. Donc voilà, donc la reine Emiko, apparemment c'est cette bonne femme. Apparemment, bah... Ah bah...
Elle a oublié de mettre sa crème. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe en bas? Elle est morte. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Je recharge. Patience. Alors, c'est parti. Et ouais, maintenant c'est moi tout jeté. Hop là, et boum. Instinct de survie. Pourquoi ils me mettent l'instinct de survie? Je viens de finir. Non, pas le pompe. Je vais plutôt prendre la mitrailleuse. La pétoire, c'est la meilleure arme pour défaire ce type d'ennemi, à mon avis. Oh, c'est trop bon. Ah, j'ai de la chance. Chers amis, j'ai de la chance, là. Je trouve un feu. Me laisse pas, sale trouillard. Faut que je vois un peu... Lui, je peux mettre... Des chargeurs collés en sable avec du ruban pour avoir une augmentation de vitesse de rechargement. La cadence de tir. L'arc est déjà au max. Alors, est-ce que je peux améliorer un truc? Des tirs. La poignée rembourrée permet d'améliorer la stabilité de l'arme et de réduire le recul. Ça, c'est quoi? C'est. La cadence de tir. Je vais améliorer la cadence de tir. Ce sera bien meilleur. Voilà, hop, c'est parti. On y retourne. C'est parti. La marathonienne hors norme, j'appelle, oui, Madame Lara, elle se balance, pas comme les autres femmes, elle lâche la casserole, elle lâche le mascara, elle prend ses deux bras, regardez, ses bandages, et elle y va, c'est parti ma chérie, oui, c'est ça, vas-y, hop, et comme il faut y aller, comme disent les anciens. C'est parti ma chérie là, allez, ça tout le monde peut le faire, allez, hop, d'ouvrir ce truc. Laisse tomber. Je vais trouver un moyen. Dégoûté. J'en ai marre là. Arrêtez de me tirer dessus, vous êtes macho, vous êtes des salauds là. Ouais, vous allez tous vous faire enculer par François Hollande. Bon, voilà tout. Pas moyen d'ouvrir ce truc. Laisse tomber. Faut trouver un moyen de. Attention, là, vous allez bouffer du héros hein, si vous continuez. Hein. Héros et Nicolas Hulot, là, attention, je sais pas ce qu'il faut ici. Pas moyen d'ouvrir ce truc. Il faut trouver un moyen. Méchant. Oh non.